je fais masse. Désolé, je ne recommence pas. Voilà. J'ai fait une boulette, j'ai écrasé. Mais bon. Voilà. J'ai fait les endives. Là, il y a des endives. Ok. Ok, les endives. Et du jambon. Voilà. D'accord. Du bon jambon. Alors, moi, j'ai pris du jambon. Bon, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. J'ai pris le premier prix. On va pas se casser la tête. Hein. Alors, il vous faut du jambon. Alors, vous pouvez le mettre au porc ou à la dinde. Pas pareil. C'est pareil. C'est exactement la même chose. D'accord. Il faut aussi un plateau qui est obligatoire. Alors, et un ingrédient très important, je vais chercher, il vous faut de la sauce. Il vous faut de la sauce béchamel, tout simplement. Alors, comme je fais pour deux personnes, bah tout simple, je ne suis pas obligé d'en prendre trois. Moi j'en prendrai deux, parce qu'il faut que ce soit bien fait et tout ça. Bon, voilà. Vous inquiétez pas, je vais vous faire montrer ça. Je vais vous faire montrer, oui, vous montrer comment on fait. Alors, donc déjà, la première chose, on doit faire. Donc, j'enlève ça pour les trucs là. Comme ça, je m'en occuperai. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. C'est vrai, j'ai pas préparé tout de suite ça. J'ai dit tiens, c'est pas tout ça, je vais la faire la vidéo comme ça, c'est plus simple. Donc je fais voilà, la prochaine fois je rachèterai encore un autre truc comme ça, mais bon. Alors bien sûr, alors une sauce qui va rester au frigidaire. Bon, alors revenons à nos moutons. Alors c'est tout simple, d'accord, c'est très simple. Vous prenez une endive. Prenez une endive. Donc, pour votre information, ça fait très très longtemps que je n'ai jamais fait d'endive, moi-même. Alors, voilà, vous le roulez, vous faites comme ça, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Prenez, reprenez l'endive. Alors, un conseil, quand vous faites ça, vous lavez vos mains et surtout, voilà, et surtout, vous lavez vos endives aussi. C'est pas qu'elles sont dans un sac, il faut pas les laver. Je vous conseille plus les laver, c'est plus d'hygiène et c'est plus propre, d'accord? Donc faites ça, vous lavez quoi. Hein, d'accord, vous les lavez. Alors moi j'en ai pris 4 endives parce que 2 pour chaque personne. Alors hop. Donc il y en a d'autres qui font les endives un peu différents. Ah, parce que celui-là il est gros. Hein. Alors là, il est extrêmement gros l'arcito. Oh, ben, je le donnerai à la petite dame, comme ça elle va manger. Alors, ça aussi. Vous voyez, c'est pas. C'est tout simple à faire. Voilà. Tout simple. Après, bon, bah, ça, on met la poubelle. Tu te casses pas la tête. Hop. Voilà. Après, la béchamel. Donc, moi, je vous conseille de les laisser mettre au frais. Ce sera beaucoup mieux pour vous mettre au frais. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Voilà. Hop. Alors, le four. Voilà, vous faites tourner au four. Vous laissez chauffer pendant 5-10 minutes d'avance. Hein, là, pour l'instant, parce que moi, je l'ai pas fait. Hein. Tout simplement. Alors. Et après, vous inquiétez pas, vous ferez montrer le résultat.
D'accord. Alors, vous faites comme ça. Vous le faites. Là. Embêtant, mais c'est pour ça que je voulais la version ça va couler l'année prochaine. Voilà, vous videz tout, hein. Vous n'hésitez pas de vider tout. Là, je sens que tu vas être scalpé, toi. Je sens que je vais te scalper. Bon, c'est pas grave, je fais ce que je peux. Hein. C'est bizarre ce truc-là. Bon, voilà, il y a encore un autre. On ouvre. D'accord, on ouvre. Et on recommence à refaire comme ça. Il faut prendre tout parce que faut que ce soit, on va dire, un peu décoré. Bon, ouais. Et voilà. Et bon, bref, voilà. Vous voyez, ça suffit deux, ça suffit largement. Deux là, je le laisse 5 minutes en train de chauffer comme un wav. Bon. Je laisse 5 minutes à chauffer. Donc, écoutez, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, mais bon, on va après, voilà. Est-ce qu'il fait froid là-dedans? Ok, maintenant je le mets et là t'en as pour un bon moment à chauffer tout simplement. Et voilà, c'est tout. Voilà, voilà comment on fait. Je vous ferai montrer le résultat et bien sûr sur l'assiette après. Voilà, tout simplement. Allez, bah disons, à tout à l'heure, et vous inquiétez pas, il y en a pour 15 minutes. Et voici le résultat, cuit bien sûr, comme est prévu, donc tout simplement, voilà. Et bien sûr, tout à l'heure, bah, je vais mettre sur, je vais mettre en assiette, et après on va manger. Allez, je vous souhaite tous un excellent bon appétit, et à la prochaine. Ben voilà, donc voici, c'est fait, mais regardez, j'ai déjà fini moi, c'était tellement bon que j'ai pas pu la faire la vidéo pour vous faire montrer que c'est bon. Normalement ça se fait comme ça, tout, voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine vidéo, bye bye, et bon appétit à tous.